Bonjour vous les abonnés, Ariel Chene featuring Debordo Lukoufa, supporter Mazo. Elephant, ayo! Pourquoi Ariel Chene, l'héritier, a fait appel à Debordo Lukoufa à la dernière minute dans ce morceau? Et est-ce que les gens ont vraiment accueilli ce morceau avec des cœurs ouverts? Point d'interrogation. On en parlera dans cette vidéo, mais avant ça, je vais d'abord donner mon avis sur le morceau et on va répondre aux deux questions. Pour ceux que c'est la première fois de découvrir mon visage, c'est une de mes vidéos que tu suis comme ça. J'ai fait aussi des vidéos coupées-collées. Tu peux fouiller sur ma chaîne pour voir si le contenu te convient. Tu peux quand même t'abonner. Voilà. Éléphant parle pas trop. Je balance marqué. Éléphant parle pas trop. Donc parlons de ce morceau d'Ariel Chene en featuring avec Debordo Lukoufa, titré supporter Mazo. Bon, le vendredi soir après la qualification des éléphants pour la huitième de finale, Ariel Chene a fait un petit post où il disait que non, le lendemain samedi à 10h00 qu'il allait faire sortir son morceau soutien aux éléphants. Et bon, quand moi j'ai vu la vidéo, je me suis dit bon, Ariel Chene qui chante le coupé décalé façon, comment le morceau allait être? Et bon, d'accord, on va voir. Et du coup, c'est-à-dire que je me suis posé assez de questions. Je me suis dit, peut-être, il va faire un truc genre à la coupée, décalée, ou bien... bon, il y avait beaucoup, il était un peu confus, quoi. Et bizarrement, à la dernière minute, il l'a frappé. Il l'a vraiment assumé. Ariel Chene, félicitations à toi. C'est vraiment du look que tu as donné. Il ne savait pas que tu pouvais... Essayer de laisser carrément le coupé décalé, venir te mettre dans les zougoules, puis frapper quelque chose de bon comme ça. Vraiment, chapeau. J'ai pensé que tu allais faire comme les Kiff No Beat en 2016, 2017, où ils ont fait un peu soutien aux éléphants, en rap. DJ Drogba fait son travail, Yaya tout. Eux aussi, comme il y a les artistes du coupé décalé qui font soutien aux éléphants, en restant dans leur style musical. Voilà. Le coupé décalé, mais pour toi ça a été vraiment étonnant. Donc du coup, vraiment le morceau il est lourd. Il faut qu'on se dise la vérité, le morceau il est lourd. Mais quand tu écoutes un peu le morceau, il y a un peu de coupé collé. Bon, je vais pas appeler ça coupé collé, puisque c'est la manière même, c'est le style même qui gagne qu'il a fait comme ça. Voilà, depuis fort longtemps, au temps de Gadji Sely, quand il a fait ses morceaux soutien aux éléphants, c'était à peu près la manière dont Gadji Sely chantait que aussi, bon, les autres ont copié un peu dessus. Vous voyez, non, Asalfo Mali System, quand ils ont fait Ameli Kezo, quand tu écoutes, tu sens un peu de Gadji Sely dedans aussi. Yodé et Siro, leur soutien aux éléphants, il y a assez d'artistes Zougouman qui ont fait ce même genre de soutien aux éléphants. Donc, du coup, le morceau d'Ariel Chene et de Bordeaux, quand tu écoutes, il y a un peu de tout ça là dedans. Mais ce qui est sûr, c'est pas grave, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est la manière de chanter qui va bien avec le football. Donc, vraiment, félicitations à vous, vous méritez vraiment beaucoup de choses. Du coup, les éléphants vont pas vous décevoir, la coupe là. 2021 en Côte. Maintenant, nous allons chercher à répondre aux deux fameuses questions. Est-ce que les gens ont vraiment accueilli le morceau avec un cœur ouvert? Ça, moi, je dis carrément non. Et pourquoi? Le jour quand Ariel Chene, le vendredi soir, quand Ariel Chene a fait sortir une petite vidéo, c'est une vidéo de 30 secondes où il a informé sur sa page Facebook, où il a informé les gens qu'il devrait faire sortir un morceau soutien aux éléphants le lendemain samedi à 10h. Est-ce que vous avez vu un peu le commentaire? C'est-à-dire, moi j'ai vu la vidéo, la vidéo venait de sortir, ça faisait au moins 36 minutes comme ça. Et quand moi j'ai vu la vidéo, il y avait 147 commentaires. Et tous ces 147 commentaires-là, je peux dire non, 60 à 70% étaient des commentaires de commentaires négatifs. Les commentaires étaient un peu négatifs. Soit en disant que les éléphants ont commencé à jouer il y a longtemps, toi, faut pas venir les décourager, faut pas venir... Même le grand Safarel Obiang a commenté. Bon, il ne se pas en train d'inventer des choses. Hein. Faut pas inventer que non, lui, il vient s'asseoir devant son écran pour mentir ici. Faut pas venir nous porter bail, pardon. Tu n'as pas chanté. Depuis là, on gagne. Dans ce commentaire, il y a quelqu'un même qui a eu à dire que les vrais patriotes ont fait sortir leur morceau soutien aux éléphants avant le début de la CAN. Voilà, mais pourquoi Ariel Chene vient faire sortir son morceau soutien aux éléphants en bon milieu de la compétition? Laissez-moi vous dire que non, affaire de fierté, patriote et autres là. Sans vous mentir, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est quand on est devant les gens, quand on parle de patriote, je suis fier de mon pays. Oui, c'est vrai, il faut être fier. Mais je vais vous dire que non, toute chose est une question d'intérêt personnel. Voilà, toute chose est une question d'intérêt personnel. Ariel Chene pouvait bien faire sortir son morceau avant le début de la compétition. Mais la chose c'est quoi? Quand il va dépenser un studio là, bon, il ne souhaite pas. Si les éléphants n'allaient pas loin là,
est-ce que le morceau allait prendre. C'est l'argent qu'il allait mettre derrière ça. Vrai qu'il a un studio qui l'arrange. Mais tout ça, il y a une équipe qui travaille, il doit les payer. Donc quand on dit je suis fier de mon pays, je suis fier de Coca-Cola, mon frère, la fierté là, c'est vrai, il faut être fier de son pays. Mais la chose, même s'il y a 20 étoiles ici là, tu ne vas pas te lever un jour pour dire que non, comme il y a 20 étoiles sur mon maillot, je vais couper une étoile pour mettre dans ma mine, préparer ça, devenir une nourriture que je vais mettre sur la table. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc du coup, lorsqu'on dit fierté du pays là, il y a seulement que 0,001% qui peut bénéficier de ça. Voilà, les éléphants ont gagné, ils ont ramené la coupe en 2015. Nous, c'est la fierté et les autres, ils ont mangé. Voilà, maintenant, sachez que cette fierté-là, on ne peut jamais prendre sa main dans ma mamie préparée pour manger. Donc du coup, Arès Chéna a calculé ces choses. Est-ce que s'il faisait sortir un morceau, ça allait vraiment l'avantager? Il a vu que nous, les éléphants sont qualifiés pour la 8e de finale et il a fait sortir son morceau. Donc moi, je ne trouve pas un problème en ça. Parce que bon, quand même les intérêts personnels d'abord. Donc du coup, nous allons un peu lire les commentaires et revenir. Donc il y a quelqu'un qui dit comme ça que ce n'est pas un son pour les accompagner, ça c'est plutôt un son pour les suivre. Les artistes patriotes sortent le son 2 semaines avant le début de la compétition. On n'attend pas les premières victoires pour sortir son. Ici le monsieur dit, arrête chaîne, pardon, faut pas venir les distraire avec ton son à ce niveau de la compétition. Passons, ils ont commencé à se concentrer, là, que chacun reste concentré dans son coin aussi, comme ça, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui dit non, quand c'est ça vous voulez faire son, laissez-le un peu respirer jusqu'à la fin. Donc vous avez un peu vu le commentaire, les gens étaient vraiment en tas. Quand on lisait le commentaire, il y avait deux catégories de commentaires. Voilà, il y avait l'autre côté où les Camerounais essayaient de taquiner par Arès Chéné. Maintenant l'autre côté là, c'était les ragés qui disaient que non, faut pas venir distraire, faut laisser les gens jouer, faut pas venir distraire les gens, faut pas venir À ma grande surprise, quand le morceau est sorti, je suis allé voir sous le morceau, il n'y avait rien comme commentaire négatif là-bas. Et pourquoi? Toutes ces personnes qui les clashaient sont disant que non, tu n'es pas fait sortir le morceau, tu n'es pas venu déranger les gens, se sont transformés en fans, mais peut-être qu'ils ne sont pas allés commenter sous la vidéo YouTube. Bon, moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, du coup, on va passer maintenant à la deuxième question. Pourquoi Arès Chéné a fait appel à Debodo Lukoufa et puis à la dernière minute dans ce morceau? Bon, ma première réponse, on dit que non, quand on court seul, on va plus vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. Donc, peut-être c'est une raison. Il sait qu'avec Debodo Lukoufa, c'est deux icônes du coupé décalé qui gagnent. Donc, les deux ensemble, vraiment, le morceau ne va pas rester tout près, ça va partir loin. Donc, d'abord, c'est pour une première raison. Et la deuxième raison, peut-être que le samedi, normalement, il a fait son poste. Il m'avait parlé du morceau le vendredi, soit vers les 20h comme ça. Mais c'est le lendemain, samedi, ça devrait sortir à 10h. Dans ce moment, il n'avait même pas dit que non, c'était Debodo et lui qui devraient collaborer. Vous voyez, ce qui veut dire que non, le morceau était déjà prêt, qu'il devrait sortir le samedi. Maintenant, le samedi, pourquoi c'est pas sorti le samedi? Parce qu'il a fait appel à Debodo Lukoufa. Donc, Debodo Lukoufa est venu s'ajouter. Maintenant, moi, je vais quand même dire que non. Peut-être que Arès Chéné a vu le commentaire du vendredi soir là. Il a vu que les gens l'ont vraiment attaqué. Donc, peut-être que c'était un peu pour répartir la charge, les attaques. Il a fait appel à Debodo Lukoufa. Ça peut être aussi une stratégie. Vu que Debodo Lukoufa, dans ces deux jours-là, en matière de football, là, il donne vraiment des vrais trucs. Donc, Arès Chéné l'a fait appel pour pouvoir un peu répartir la charge un peu. Bon, ça, ce n'est que moi, mon avis à moi. Peut-être. Voilà. Donc, du coup, pour le morceau, moi, il donne une note de 18h sur 20. Et pourquoi 18h sur 20? Il pouvait donner 19 ou bien 19,50. Mais si, monsieur, limité à 18, c'est tout simplement parce que Arès Chéné n'a pas fait sortir le morceau au début de la carte. Sinon, le morceau méritait vraiment 19,50 sur 20. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si tu n'oublies pas de donner ta note dans les commentaires pour ce morceau, tu donnes combien à Arès Chéné et Debodo, combien sur 20, donc dans les commentaires, et tu peux donner aussi ton avis dans l'espace commentaire. Africain, africain, si c'est la première fois que vous découvrez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour toujours recevoir nos nouvelles vidéos, car il est temps de voir tous les Africains autour des mêmes sujets.